Au sommaire de cette édition, la coupe de canne à sucre a déjà démarré depuis plusieurs semaines. La ville des Avirons, via son CCAS, collabore avec les entreprises dans des actions sociales, ce qui a abouti à l'acquisition de 2 véhicules. Les employés du service environnement de la ville s'activent dans leur travail à fleurir et embellir les Avirons. Le local du relais de l'insertion se fait une beauté pour accueillir dans les meilleures conditions d'accueil ses visiteurs. Quoi faire et voir aux Avirons ce week-end? L'agenda détaillé en fin d'édition. Et enfin, quel temps ce week-end aux Avirons? La météo de ce samedi et dimanche présentée en clôture de journal. Voilà déjà plusieurs semaines que la coupe de canne à sucre bat son plein à La Réunion. Certains agriculteurs des Avirons ont choisi notamment de ne pas se presser avant d'aller à l'usine sucrière du Gol à Saint-Louis pour déposer leur canne sur les plateformes de réception. Le temps de laisser la teneur en sucre de leur canne augmenter au gré de la bienveillance de Dame Nature. D'autant que le travail manuel de la coupe de canne est vraiment ardu sur les pentes descendantes à mi-hauteur du littoral. Cette année, je pense que ce sera la des pires années que moi m'a connue. Déjà, c'est mon deuxième année. Parce que avant que mon papa te coupe, il a pris sa retraite. Moi, c'est mon deuxième année. Il s'est triste cette année, mes chers, pour la canne. Il faut vraiment être passionné pour faire ce genre de travail. Il faut se lever tout le matin. C'est un travail physique, non? Oui, il faut l'amour du métier. Sans l'amour du métier, on ne fera pas. Parce qu'il faut aimer le métier. Il faut qu'on lève, il faut avoir la motivation et où ça va. Et vous, depuis tout petit, vous êtes dans les champs? Ah oui, depuis que papa l'a fait, depuis Dieu m'a grandi dans la canne. Il m'a envoyé à moi l'école, a fait moi l'homme cumulé, donc oui, passionné par la canne. Et la particularité des cannes aux Avirons, c'est spécifique ou c'est les mêmes cannes qu'à Saint-Denis ou à Sainte-Suzanne? C'est à peu près les mêmes, mais après chacun y fait son variété qu'il veut, mais après sinon ça les bases, c'est à peu près les mêmes. Vous avez quelle variété vous ici? Le 570, canne jaune comme il dit. Et c'est quoi la propriété de la canne jaune? Il est plus solide, il est un petit peu plus dur et le sucre oscille un petit peu plus et il a plus de poids aussi. Donc sur ce terrain-là, la fin de la coupe, ce sera pour quand? C'est soit novembre, c'est mois de décembre, mais après la date précisément nous occupons encore. La ville des Avirons s'est dotée dernièrement de nouveaux véhicules utilitaires qui seront notamment en service dans le cadre des actions sociales menées par le CCAS de la ville sur l'ensemble du territoire. Les 2 véhicules affichent ainsi sur la carrosserie des dizaines de logos pour une visibilité plus importante de toutes les entreprises partenaires. Et permettre à la communauté économique de pouvoir contribuer à l'action sociale, avoir également plus de visibilité par rapport à toutes les visites à domicile que nous effectuons et puis les accompagnements que nous menons aussi en place avec les administrés de la commune des Avirons. Est-ce qu'il y avait déjà auparavant des gens qui travaillaient avec la ville? Oui, il y a déjà des partenaires qui travaillent avec la ville et là aujourd'hui ce partenariat s'est étoffé par de nouvelles entreprises. Au total, nous avons 30 entreprises qui contribuent à cette action, donc à pouvoir effectivement accompagner nos actions tout au long de l'année à travers ces véhicules sérigraphiés. C'est important pour vous de s'associer au CCAS de la ville des Avirons? Tout à fait, c'est un choix personnel que j'ai fait. J'ai habité pas mal de temps aux Avirons, toute mon enfance a été faite aux Avirons. Et puis c'est un choix aussi personnel par rapport à la population des Avirons et par rapport aussi aux gens qui sont dans le besoin de pouvoir participer et faire un geste pour eux. Votre société va être associée à ce côté entraide, donc c'est un plus aussi pour votre société? Ah oui, tout à fait, on joint l'utile à l'agréable comme on dit. Donc, et de faire profiter les autres et tout à fait, voilà. Pourquoi fleurir la ville, pourrait-on se demander? Parce qu'un simple regard posé sur une fleur et voilà une journée remplie de bonheur. L'auteur Céline Blondeau l'explique ainsi dans ses mots. La ville des Avirons s'associe donc pleinement à cette éthique de vie. Les employés du service environnement sont ainsi les artisans au quotidien de notre ville joliment fleurie. En ce moment, on est en train de refaire un peu tout devant la mairie. On se rend un peu dans les plantes en art, fleurir. Un peu de mufliers, garde l'eau qui viennent d'arriver. On va planter bientôt à côté le monument aussi, la même chose, et dans le rond-point. Donc c'est des plantes d'ornement, de décoration? C'est des plantes massives. C'est des plantes massives, ça tu as pris 2 mois pour ça. Le garde de l'eau environ 2 mois, et les lanternas, c'est vivace, c'est annuel. On prend mesure, on part en ville, on va sur chaque quartier, on était à Ravinches, on était à Chemin numéro 1, on était à Bassin Bleu, bientôt on va aller à Ruisseau, au cimetière. C'est décoraté et à l'autre bord. Et travailler la terre, on se sent à l'aise quand on travaille la terre? La terre, faut une passion, faut aimer. Si on n'aime pas, on vient pas dedans, c'est tout. Moi, j'adore ça. C'est mon plaisir de travailler la terre. Fabienne, quand on arrive devant la mairie et voir autant de fleurs, est-ce que c'est pas que du bonheur? Si, c'est que du bonheur. C'est bien occupé, c'est joli, ça donne envie.
de rester là et d'admirer, quoi. Et de planter aussi. Et de planter aussi, et ça, il ne faut pas oublier. Ouais. De planter aussi. Et de prendre soin. Merci aux agents et à monsieur le maire. Retrouvez prochainement une nouvelle édition de Miss Aviron et les inscriptions sont ouvertes. Alors si tu as entre 16 et 25 ans, que tu résides aux Avirons et que tu veux tenter l'aventure, tu peux t'inscrire au 02 62 38 13 40 ou bien sur le mail de la culture. Le relais de l'insertion qui reçoit tous les jours ouvrés de très nombreux jeunes ou moins jeunes en recherche d'emploi ou de formation qualifiante a vu ses locaux connaître une cure de jouvence. L'intérieur est désormais adapté à un meilleur accueil de proximité pour les personnes franchissant la porte du relais de l'insertion. Nous allons commencer par l'accueil, notre chargé d'accueil. Alors l'accueil, c'est un point stratégique, non ? Donc c'est l'accueil qui après va nous orienter vers les différents partenaires ou bien nous-mêmes, nos animateurs au sein du relais de l'insertion. Ici, donc, on a l'atelier numérique. Actuellement, aujourd'hui, donc, il y a l'atelier numérique de nos seniors. On a une animatrice qui est missionnée pour cet effet. Derrière vous, une grande télé, alors on peut diffuser quoi ? On diffuse des offres au quotidien. Donc là aussi, donc, tout ce qui est dispositif, hein, donc le met au quotidien, de manière que les personnes qui sont en recherche d'emploi peuvent visionner, peuvent voir les offres d'emploi diffusées. On s'est doté aussi des portables, de manière que les gens soient autonomes aussi. Donc au lieu de faire ils patientent à l'accueil, donc ils peuvent, s'ils sont en autonomie, donc ils peuvent aussi aller sur la tablette pour faire leur actualisation en fin de mois. Donc bien sûr accompagné d'une animatrice. Alors on a aussi notre conseiller Pôle emploi qui est là tous les jours, hein, sauf le vendredi. Donc, alors lui, son rôle, il va recevoir sur rendez-vous Le lundi matin, jeudi matin, sans rendez-vous. Il prend sur le flux et les autres jours, donc, c'est sur convocation. Donc c'est son portefeuille de demandeur. Donc nous allons passer à l'extérieur. On a embelli la structure, on a refait la façade, la peinture et puis donc on... Donc des plantes d'ornement pour... agrémenter le lieu d'une touche verte. Exact. Quels sont les horaires du relais d'insertion ? 8h. Ben, le matin, 8h. À partir de 8h, ils peuvent venir. En fermeture ? 16h. 16h, du lundi au vendredi ? Du lundi au vendredi. Un numéro de téléphone et une adresse ? 02 62 38 99 53, 4 impasse du Bois de Neuf, aux Avirons. Le prochain centre de loisirs pour nos adolescents des avirons de 12 à 17 ans est programmé du 18 au 25 octobre prochain. Les inscriptions sont possibles dès lundi et jusqu'au 8 septembre prochain au service temps libre de la ville, situé au niveau du complexe sportif et dans les bâtiments au-dessus de la piscine. Pour plus de renseignements, vous pouvez également composer le 02 62 38 33 84. Vous allez recevoir une belle médaille de la République française. Pour tout votre parcours méritant en tant que maman, ça vous fait quoi de recevoir ça à la fin du mois ? Ben écoute, ça me fait quand même pas mal au cœur, mais je suis contente quand même. Mal au cœur, mais plaisir oui, en fait. Oui, voilà. À ceux qui nous regardent, que ce soit les Avironnais ou ailleurs, sur la famille, sur l'importance de la famille. Est-ce que la famille au jour d'aujourd'hui, c'est important ou c'est une chose qui est futile ? Oui. Pour moi, c'est important la famille. Si c'était pas eux, moi, j'étais plus là, moi. Ils m'ont bien aidé. Au jour d'aujourd'hui, vous vous dites, vous êtes une mamie, vous avez été une mère au foyer, vous avez été une épouse. Est-ce que votre vie, elle est accomplie aujourd'hui ? Toujours. C'est très bien. Alors, on y vit avec, hein, avec le bonheur des petits-enfants, des enfants. En guise de conclusion, qu'est-ce que vous aimeriez dire aux Avironnais ou à ceux qui vous écoutent ? Sur cet amour de la famille, est-ce que c'est vraiment important de Très, famille? Très important. C'est le plus important, je pense. Pourquoi? Parce que la famille doit être tout le temps unie. Du battant des lames au sommet des montagnes, 1800 mètres de dénivelé pour traverser les avirons. Rendez-vous le 24 septembre pour les 32 km du Trail des Sources. Rejoignez Marcel Puy, Jean-Eddy Lorette ou encore le Mafaté Jean-Pierre Gondin et d'autres champions parmi les 800 participants. Inscription sur sportpro.re. Les meilleurs seront invités au Marathon du Mont-Blanc. Le sport et la fête animés par Léonus, Vijay Awax et DJ ATR. Un événement de la commune des avirons le dimanche 24 septembre en partenariat avec Antenne Réunion.
À noter dans vos agendas de fin de semaine le traditionnel marché forain du samedi matin en centre-ville, sur le parvis de la mairie des Avirons, avec ses beaux fruits et légumes de saison ainsi que ses beaux produits du terroir qui vous attendent pour bien débuter le week-end. Et pour terminer à la page de la météo locale, le temps sera ensoleillé ce samedi 26 août. La température atteindra les 25 degrés en matinée. De très rares nuages dans l'après-midi ne viendront pas toutefois enlever l'impression du beau temps généralisé, du battant des lames de bois blanc au sommet des montagnes du Tevelave. Et ce dimanche 27 août, le soleil sera une nouvelle fois au rendez-vous. La température maximale atteindra ainsi comme la veille les 25 degrés, dans un ciel bleuté et sans nuages à l'horizon. Sur ce, merci de votre attention et restez connectés sur toute l'actualité de la ville des Avirons en continuant à nous suivre sur les plateformes YouTube, Facebook, SoundCloud ainsi que sur Instagram et aussi sur www.mairie-aviron.fr. Ville les Avirons, vers un territoire durable.